que ça bougerait moins, gros, comme ça. Premier test, la chute avec simulation. Vous courez par là, vous tombez tout seul et vous hurlez comme des bébés. Ok ? C'est parti. Ménisque ! Et pochement de cimerie ! Oh, stop it ! Ça va ? Très bien. Pour simuler comme ça, je te jure, c'est une nana, j'en suis sûr. Voici Irène, Vera, Solange et Maxime, mon ex-mari. Mesdames. Amandine, j'adore déjà ton mari. Mon ex-mari. Ça veut dire que vous êtes libre, alors ? Maxime, un peu de tabasco dans votre Bloody Mary ? Oh, excusez-moi. Rien de tel qu'un petit joint de temps en temps pour soulager les douleurs articulaires. Bon, alors si c'est médical. Et c'est beaucoup plus agréable qu'une infiltration. Ah oui, moi c'est le tabac. Ce soir, je vous fais goûter ma production. Oh bon. Le secret du gnocchi, c'est la farine. Ah oui. Trop c'est lourd. Pas assez, ça colle. Dites-moi, vous êtes un vrai cordon bleu, hein ? Il y a longtemps que vous habitez chez Amandine ? 6 mois, quand j'ai pris ma retraite. Ah, 6 mois, oui. Et maintenant, vous roulez un petit boudin du bout des doigts. Ah oui, un petit boudin du bout des doigts, oui. Là, et vous faisiez quoi, apparemment ? Comptable. Et vous faisiez quoi avant votre retraite ? Je suis pas à la retraite, j'ai jamais travaillé. Vous connaissez ce livre ? Non. Le plaisir n'a pas d'âge. Passionnant. Et plein de choses très amusantes. Écoutez ça. Variété des lieux et des positions. Voir des partenaires sont les clés d'un coït. Interrompu pour cette fois. Désolée, j'ai besoin de Maxime. Mais elle est où, cette perle ? Très lui en bourrant les urnes, c'est pas très compliqué. Hein. Quoi ? Garde rouge ! T'as de la chance d'être une femme, toi, hein ? Allez, viens ! Viens ! Je n'en vaux pas la peine. Ah, mais c'est bien, je vois que les ripousses serrent les coudes. Répète un peu pour voir. Ben, c'est un secret pour personne ici, hein. Tout le monde sait que c'est plus des casseroles que t'as au cul, c'est des lessiveuses. C'est peut-être des lessiveuses au cul, mais moi j'ai pas falsifié le listing ou Clearstream. Tiens donc ! Puis j'ai fait couler le Rambo Warrior aussi pendant qu'on y est. Ah non, ça c'est ton père. Alors là, tu vas payer pour ce que tu viens de dire. Toi, tu vas poser ce chat délicatement. Je te balafre. Tu sais que sur un coup de fil, je peux faire débarquer le GIGN. Nique-le, Daddy ! Il avait raison. J'avais cru que la vérité pouvait abattre gagnant et ébranler le système. Mais la vérité, tout le monde s'en foutait. Seul l'argent pouvait défaire l'argent. Seul un prévôt pouvait abattre un gagnant. Dès le lendemain, je recevais comme promis un courrier de ses avocats. Mes images étaient bloquées. Gagnant Corp fut totalement intégré à Prévôt Industrie avant d'être revendu en partie au gré de restructuration et délocalisation. Jérôme Prévôt devint dès l'année suivante la 4e plus grosse fortune de France. Monk, outre ses activités de conseil auprès de la nouvelle entité, créa son propre fonds d'investissement avec le soutien des Prévôt. Quant à Michel Gagnant, l'affaire des évasions de capitaux lui valut au final 2 ans de prison ferme au quartier VIP de la Santé. C'était la fin d'une époque, la fin de ce film aussi. La fin de Michel G., ex-milliardaire,
ex-maître du monde. Le plan. And we explained to him the plan. Les Libyens ont résumé leur plan sur un simple PowerPoint. Celui-ci prévoit le soulèvement de cellules dormantes dans la ville, simultanément à des frappes aériennes sur 300 objectifs identifiés par les deux hommes. Ainsi qu'une attaque depuis les montagnes de Nefouza, situées à 150 km au sud de Tripoli et que la rébellion contrôle en partie. Simple, mais impossible sans l'aide des Occidentaux. Deux jours plus tard, les deux Libyens et Mahmoud Jibril rencontrent le président de la République. Aujourd'hui, des chercheurs de toutes disciplines contestent cette idée reçue et se tournent naturellement vers notre plus proche cousin, l'homme de Néandertal, apparu en Europe il y a 250 000 ans. Nomade infatigable et extraordinaire chasseur, l'homme de Néandertal n'apparaît plus comme un être à l'humanité imparfaite. La question de savoir si Néandertal pouvait parler n'est plus désormais inconcevable.